Et bonjour à tous, c'est John Jonan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on va tester le nouveau Goku SSJ Bujubai Kaioken. Alors, on va le jouer en ami en mettant Goku Freezer de notre côté, comme ça on sera pas en reste avec 177% de notre côté, 170 de ce côté là. Et on va partir directement en Goku Rush pour le tester. Alors c'est pas celui-ci, hein, ça c'est un que j'ai pris en ami juste pour afficher, hein, mais celui-là qu'on aura pour le gameplay à deux doublons. Et effectivement, quoi, ils ont dit que la carte était orientée offensif, c'est totalement le cas. Maintenant, à l'inverse d'un certain Hittech, même si la carte est offensive, elle n'a pas 0 en défense. Elle a quand même pas moins de 120 000 à 100%, ici ce sera un petit peu moins, ce qui est correct. Après, évidemment, 100 000 en Goku Rush ou même en Battle Road, sans rien, tu prends très cher. Après, sous item, tu prends pas grand chose, donc c'est quand même très très bon. Surtout que offensivement, c'est vraiment n'importe quoi. Et vous allez voir que finalement, l'atout majeur de cette carte, et ce qui fait qu'elle est vraiment différenciante par rapport à d'autres, c'est son active skill. Parce que les dégâts vont être monstrueux. Vous allez voir à la fin, face à Mikate, c'est n'importe quoi. C'est même possible de one-shot. Enfin, c'est vraiment incroyable. Mais, et en plus ça, on buff les alliés, je rappelle, hein, sur un tour. De 30% mais comme Pan LR, et c'est extrêmement fort ça, ce qui fait que le tour où tu fais l'active skill c'est totalement fumé. On verra que c'est aussi très intéressant en battle, mais ça ce sera dans une autre vidéo. Donc voilà les amis, je vous laisse avec le gameplay, j'espère que ça vous plaira. Passez tous une très très bonne journée, bon gameplay, des bisous, à très bientôt. C'est parce que on n'a pas de stack de défense. Bon, Rota, c'est pas tout à fait ça, mais ça devrait aller. Ah, c'est dommage, ils ont pas refait le... C'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ça. Ils ont pas refait les assets du personnage. C'est le même que le Kaioken AJ. Ils auraient pu le refaire, mais le travail un peu comme Gohan LR. Ça aurait pu être sympa, pour l'occasion. Mais bon. Bon, 1,2 million, première attaque. Évidemment, en début de combat, ce Goku est pas incroyable. Hein. Il a quand même deux doublons, hein, je rappelle. Hein. Donc, que ce soit offensivement ou défensivement, au début du combat, c'est lambda. Mais ça va monter. Évidemment, ça va monter. Mais bon, vraiment, en Battle Road, je pense pas que ce soit vraiment fou. Parce que finalement, on n'a pas tant de temps que ça. C'est même sûr en fait. Hein. En Battle Road, je joue en double Goku finalement. Est-ce que c'est si bien que ça? Je ne sais pas parce que tu te trimbales quand même le qui stack quoi. Mais bon. Après, il active skill est fumé, c'est sûr. Totalement fumé. Là. C'est un peu dangereux quand même. On prend déjà. Bon, ça va, hein, mais si on mange une spé, on va avoir un peu fou. Alors, offensivement, on est déjà à 2 millions, hein, c'est quand même. C'est quand même déjà très très bien. Enfin, c'est pas mal, hein, 2 doublons. C'est déjà pas mal. Mais on n'est pas du tout encore. Puis, de toute façon, je rappelle qu'il stack à l'infini, hein, de toute façon, hein, donc. Ça va continuellement monter, évidemment. Après, là, 3 attaques, il a pris une attaque. C'est 6 attaques pour être maxé, hein, donc on est bientôt maxé. C'est vrai que c'est quand même assez rapide, parce que bon, 6 attaques, ça va quand même assez vite. Mais après, ça dépend des positionnements, des attaques adverses et tout, mais c'est vrai que ça va quand même assez vite, hein, finalement. Oh, non, on le tue. Bah ouais mais ouais X ouais. Après voilà, ça dépend du positionnement des attaques etc. Mais le problème c'est que pendant ces attaques là tu te fais tu prends très très cher en fait. Mais bon. Là on va être maxé. Après ce... On était à 4 donc encore 2 stacks. Avec Godku le problème c'est que ouais, avec Vegeta c'est nul. Si je prends une spé sur Godku à la fin je vais voir très très flou.
Ce sera avant. Même là, en vrai, on va prendre des dégâts. Hein. Ouais. Ah oui. Hein. 2 700 000. Non, on est maxé là. On est maxé. Alors, on n'a pas de dimension des yeux. Si on serait plus haut, on serait vers 2 800 000, 2 900 000. À vue comme ça. Et puis, Toto 1 200 000, ça fait plaisir. Donc, grosso modo, presque 3 millions une fois maxé. Donc, c'est très très bien. Hein. C'est très très bien. Mais il y a pas mal de leaders qui peuvent faire mieux, hein, notamment qu'ils ont des attaques supplémentaires, etc. Genre couleur puissance par exemple, qui peut monter plus haut hein, avec ses attaques supplémentaires. Mais bon, après, par contre, l'active skill, le trou que tu fais l'active skill, laisse tomber quoi. Mais bon, après, comme on sac à l'infini. Salut True Love. Après c'est chiant parce que du coup après on peut plus debuff donc Goku Freezer pourra pas avoir son bonus max. Ouais, c'est chiant ça. Alors là ces 18 va nous régène comme jamais. Et elle va faire le taf aussi hein, parce que là. Elle va faire le taf aussi. Hein. Pas de crit, dommage. Alors le mec là sur son Jouba, il a mis full attaque sup, je valide pas du tout hein, parce que à quoi bon. Parce que je rappelle que le stack d'attaque c'est sympa, mais ça vaut pas le coup d'investir en attaque sup, hein. c'est pas un stack de def. Hein. Donc ouais non j'aurais mis full crit hein, personnellement non. Parce que de toute façon le stack d'attaque va pas changer grand chose finalement. Donc j'aurais mis full crit mais bon après. Parce que là du coup on a pas beaucoup de points en crit. On a 11 je crois. En vrai là on peut l'atomiser. Merci Marco. On peut l'atomiser. Ah non non Jonathan, pas du tout frérot. Il booste de 500k par attaque mais jamais de la vie frérot. Ah non. Ah non, 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 le boost c'est 100, 150k, un truc comme ça. Peut-être 200, pas plus. Bon, on va vérifier, hein, mais même pas, je crois. C'est 100, 100, je crois, 100. Ah non, non. Ouais, je prends plus d'aucun mode. Alors voilà, la défense, une fois maxé, 110 000. C'est 120 000 une fois 100%, donc c'est une bonne défense, mais. En battle road, tu prends quand même globalement cher et en Goku Rush pareil. Après sous item ça va mais. Voilà. Après en même temps, la contrepartie c'est que ça tape tellement fort avec l'active skin notamment. Ouais, enfin faut pas tout miser sur l'active skin non plus. Hein. Bon. Mais bon. Après je veux bien entendre dans ce cas la moite-moite, mais pas. Enfin bon, après peu importe, chacun fait ce qu'il veut à la limite, mais. Enfin, qu'il n'y a pas que les liens qui comptent, frérot. Attends, je suis à combien? Voilà, je suis à 3 millions. Donc, tout à l'heure, on était à 2 870 000. Là, on est à 3 millions et quelques. Donc, je t'ai dit. Donc, en gros, tu vois, c'est du 100. Un peu plus de 100k par spé. Donc, c'est pas mal. Mais rappelons que le jeu, c'est pas que le Goku Rush. Hein. C'est ça qu'il faut pas oublier. Hein. C'est que, certes, en Goku Rush, à la limite, ça peut être sympa. Mais en battle route, clairement, je préfère faire du crit que gagner 100k en attaque. Voilà, après. Après, voilà. Bon, ouais, Migaté. Mon petit Migaté. Vas-y, Migaté. Petit spé sur Migaté. Non, oui, non. Ah. Putain, la C18, elle est incroyable en vrai. Hein. Enfin, je vais mettre Goku Freezer devant parce que je prends des stats quand même quand j'attaque. Ah, je peux plus debuff en plus. Je ne peux plus debuff. Bon là je risque de prendre très cher. Oh non. Oh, c'est dégueulasse, évidemment. Non, il pouvait pas spam Migaté avant, hein, évidemment. Oh l'aspect juste avant que je prenne mes stats. Dégueulasse. C'est pas grave. C'est un peu moche, mais c'est pas grave.
Je sais pas si on a déjà eu l'attaque efficace contre tous les... Non, je crois pas. Alors, on va l'avoir là, en vrai, mais... Ouais, j'ai pas la réduction de dégâts, là. On prend ultra cher. Hein. On prend ultra cher. Bon, s'il te plaît, me spé pas, hein. Pas encore. Merci. Ah oui, là, oui, je crois qu'il l'a activé, hein, oui. 4 millions 4, je crois que... Je crois qu'il l'a activé, les amis. C'est même sûr et certain. Bon, d'un côté... Le problème, tu vois, c'est qu'on peut pas garder. C'est un peu dommage, on peut pas garder. Bon, Migaté... Bon, qui servira quand même jusqu'à la fin, mais... On peut pas le garder. Du coup, là, vous voyez, au final, il restait pas beaucoup de PV, c'est un peu dommage. Mais bon. On va se soigner. Parce que si sur le papier, on arrache la tronche à Migaté, en vrai, bah, les items, on peut les claquer. Enfin, on peut, ça va. On peut être un peu plus cool sur les items. Parce que souvent, on veut pas item avant au moins Migaté puissance. Mais je pense que là, on peut se le permettre. Puis on est dans une team, je rappelle, qui stack pas la def. Hein, donc, quand même, il faut pas. Ça passe easy. 200 000 PV, ça passe easy. Non, ça passe pas easy, les gars. Ah non. Ça passe pas easy. Hein. C'est juste. Hein. Bah là, je sais pas si je serais mort, mais il y a moyen. Hein. Vu qu'il a spé avant, il y a moyen. Allez, Migaté, fais les dégâts au moins. Fais les dégâts. En vrai, la type s'en sort pas trop mal pour l'instant. Hein. On stack pas. Hein. Mais bon. On n'est pas encore... Ah, bah ça m'arrange pas vraiment, ouais. Mais bon. Il a moins de défense, en fait. Transformé, c'est un peu bête, mais... Après, il a le crit qui monte, hein, mais... Ah oui, j'ai encore l'item. Ouais. J'allais dire, c'est quoi ce bordel? Mais c'est tout à fait normal. Alors là, c'est 18, elle va monter tellement haut. Laisse tomber. Et merci la régène. Oh, tu vas prendre cher, frérot. Tu vas prendre très très cher. Ah, tu fais pas de crit, Vegeta et vous. Fais des crits. Dépêche-toi. Ouais. Il est pas motivé. Il est pas motivé. 3,5 millions. Donc on est à 3,5 millions, les amis. Bah on continue à stacker en fait, hein, tout simplement. Dommage pas attaque sup. Hein. Ah, voilà, c'est 18. Ah bah la carte elle est magnifique, hein, clairement. C'est surtout pour ça que je la voulais notamment. Hein. Tellement belle. Bon, ça sent l'aspect avant de crever, hein, je vous cache pas. Ça sent l'aspect avant de crever. Hein. On fait avancer le Dokkan Mode pour le Migaté Intelligence. Ça sent l'aspect avant de crever, les amis. Hein. Ça, c'est sûr et certes. Ou pas, en fait. Je continue. Enfin, je disais le chat en même temps, si je continue à parler alors que c'est déjà passé, tu vois. N'importe quoi. Ah, vas-y, Yosan, attends, je vais checker. Je vais checker. Après, c'est vrai qu'il est. Ouais, il est. Il est mastoc, hein, clairement, mais bon. On peut-être pas trop vite non plus le Dokkan Mode. Hein. Bon, si je me fais spé à la fin, on va voir flou, mais... À chaque fois que je prononce le mot spé, je crois que l'ennemi spé, en fait, tu vois. C'est incroyable. Alors, on peut le tuer très vite, hein, Migaté Puissance, là, si on... Si Vegeta et vous touche son adversaire... Martial. Oh non, commence pas. Comment. Mais non. Bon, allez, Jubai là. 2 millions avant de partir en spé. Oui, c'est vrai que. C'est vrai que c'est quand même cool. Enfin, pour les auto-attaques potentielles, c'est assez intéressant. Allez, un petit critique. Non, dommage. Attaque sup. Non. Et Migaté, 2 millions 5. Hein. Pas en reste, hein, quand même. Hein. Migaté qui tape quand même très très fort. Hein.
Esquive, Migaté, tu es parti, et puis c'est 18, bah regardez, c'est 18. Putain, elle a pas encore pris les kills, hein. Elle a pas encore pris les kills, c'est incroyable. En vrai, dans tous les cas, non, on va mettre une princesse Ebi. On va mettre une princesse Ebi. Je pense que c'est 17 tant que mieux, en vrai, c'est con, mais. C'est bête à dire, mais. C'est 17 tant que mieux. Hein. Bon, pas trop vite le Dokkan mode quand même, parce que bon, après. Enfin, après, est-ce qu'on aura besoin du Dokkan mode vu que l'active skill va détruire Migaté, je sais pas. Bah, si, il y aura peut-être besoin quand même. Hein. Pas de critique. Bon, Goku Freezer qui fait quand même les dégâts, mais bon, remarquons quand même que Jubai dépasse Goku Freezer hein, quand celui-ci a pas son bonus total. Après, Goku Freezer n'a pas de doublon. Ça va. Ah ouais, c'est pas trop mal, tu récupères Dimension des Dieux là. Je pense que là on va partir sur un petit dragon. Enfin un Whis quoi. Comme ça, on diminue un peu nos PV progressivement et on arrive à la dernière phase. Enfin après il va falloir qu'on touche l'adversaire mais... En tout cas, on va se calmer sur le Dokkan mode parce que... Pour l'instant on n'y est pas. Hein. Bon, faudrait qu'on avance là au niveau des dégâts parce que sinon. Je rappelle qu'il a 10% d'esquive à ce stade là. Hein. 10%. Le mec il m'esquive deux attaques. Au moment donné, bon. Putain, c'est dommage. Vous voyez, il critique, du coup, on fait pas beaucoup de crit, hein. C'est dommage. On fait pas beaucoup de crit. Par contre, on va se calmer sur le Dokkan mode. Bon, Migaté, tu esquives Migaté, n'est-ce pas? Je compte sur toi, Migaté. Tu esquives? N'est-ce pas, Migaté? T'as intérêt à esquiver? Ah, le fameux séquent VBLR, ça, c'était légendaire, ça, les amis. C'était légendaire. Allez, un petit critique, Goku Freezer, t'as pas de doublon, mais pour me faire plaisir. D'accord. Ah. Ça va. Ça va, ça va. Bon, ça serait bien qu'on le tue, là, parce que... Bah, on est bien au niveau PV, donc... on va pas le tuer, là, à moins que Migaté fasse double attaque, mais... ça serait bien... Ouais, non, même pas, en fait. Et bien à chaque fois que je parle, le truc se passe, tu vois. Genre que ça soit bon ou mauvais, hein, mais. Enfin, pas à chaque fois, mais bon, c'est. Mais ça passera pas, même avec un crit. Passera pas. Ouais. Les amis, je peux facilement crever ici, hein. Il me spé sur Dubaï, je suis mort. Je peux facilement crever, hein. Eh mais la régène passive elle va proc le Dokkan mode en fait, ça le problème. Si je prends trop de kills de ma couleur. Non, pas ghost, pas ghost. Ah si, il esquive pas, comme tu dis frérot. Sachant qu'il a toujours pas spé. Ah si, il a spé au milieu. Ouais. Bon les amis, ça se trouve, on va se faire troll comme jamais. Hein. Espérons que non, hein, bien sûr, mais. Ça pue, hein. Enfin, faut que Vegeta touche l'adversaire. Okay. Le jeu aime jouer avec nous, hein. Le jeu aime se foutre de notre gueule. C'est incroyable. Ah, faut que j'arrête de parler, en fait. Faut que j'arrête de parler, les amis, vraiment.
Oh, faut que j'arrête de parler. C'est obligé. Ah non, faut que... faut que j'arrête de parler. C'est horrible. Bon, j'aimerais éviter de lui faire trop de dégâts, mais... Mais bon. De toute façon, je peux pas faire grand-chose pour stopper les dégâts. Bon, les amis. Prochain tour. Prochain tour. C'est le tour. Alors, prochain tour, les amis, on a l'active skill. Et après, il y a le Dokkan mode. Donc, prochain tour, Migaté est dans la merde. Ça, je vous le dis. Par contre, s'il est... Enfin, il y en a qui disaient qu'il peut pas esquiver l'active skill. Mais moi, je crois que si. Hein. Je crois qu'il peut. Mais bon, on verra bien, mais... Je crois qu'il peut. De toute façon, Migaté, il a 16 millions de PV, c'est ça, je crois. Si je dis pas de conneries. Je crois qu'il a 16 millions. Alors là, j'ai Dimension des Dieux qui proc. Est-ce que... Nous sommes prêts, alors après s'il crit pas, bon je rappelle que du coup il a deux doublons, donc voilà, donc forcément ça va peut-être limiter un peu hein, les dégâts, mais voilà, on a tout ce qu'il faut là, donc let's go. Ah, on n'a pas crit. On n'a pas crit, mais quand même. Hein. On lui a mis mid-life, mais on n'a pas crit. Bah, non, j'ai pas l'avantage type. Hein. J'ai pas l'avantage type. Mais je me demande quand même si... Parce que... Il y en a qui ont vu un one-shot, mais à mon avis... Je me demande si pour le one-shot, il faut pas le bonus. En fait, le deuxième bonus, là. C'est-à-dire qu'il faut garder le deuxième bonus des 59% jusqu'à la fin. C'est chaud, quand même, hein. Je sais pas, hein, moi, que ce soit la différence avec le 100%, mais... C'est chaud, quand même. Hein. Bon, c'est quand même très fort. Hein, c'est quand même très, très fort. Hein, y a pas à chier. Hein, c'est quand même très, très fort. Y a rien à dire. Bon, allez. On termine. On termine. Pourquoi pas de ghost? Parce que le ghost, tu peux pas en mettre deux fois d'affilée, frérot. Tu peux pas enchaîner deux ghosts, en fait, sur les boss. Ouais, mais Geosan, c'était pas pour ça, c'est surtout que Migaté, à la fin, il allait se faire éclater, frérot. Ouais, t'inquiète, Mathias. C'est pour ça que j'ai mis Migaté au milieu, hein. C'est pas pour les liens, en fait. Hein. C'est parce qu'il allait se faire éclater, Migaté, à la fin. Là, il y a qu'une attaque, ça va. Alors, si c'est l'aspect, bon, voilà. Instant karma, non. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai viré Migaté, en fait. Surtout pour ça, en fait. S'il y avait qu'une seule attaque... Non, Martial, il a pas monté crit. C'est ça qui est dommage. Je vous dis, crit, c'est pas une bonne idée. Hein. Enfin, attaque sup. Stack déjà bien assez. Enfin, le crit, c'est quand même, pour le coup, plus intéressant. En vrai, ce tour, il craint. Ce tour, il craint de ouf. Bon. On va pas jouer les malins. On va pas jouer aux malins. On va assurer le coup. Hein. On va pas faire les shows. Ouais, non, on va faire ça. Comme ça, c'est 18. Va se gaver. Ouais, sinon, tu fais un mix à la limite, mais. Ok. Ok, l'aspect sur C17, moi, ça me va très très bien. Pourquoi pas? Ah bah oui, il a fait quasiment tout le taf. Hein. Après oui, si t'as deux Goku, oui, clairement, tu mets les deux, c'est fini. Hein. Tu mets les deux, c'est fini. Tu mets les deux, c'est terminé. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, y a aucun problème avec ça, les amis. Hein.
Mais ouais, non, pour le faire en une fois, il faut le passif, et c'est pas forcément évident, surtout dans cette team. Je rappelle que déjà, alors, c'est vrai que c'est quand même grâce notamment au Goku, hein, mais d'ailleurs, enfin, c'est grâce au Goku parce que du coup, on voit plus vite. Mais cette team, c'est pas évident hein, à la base, le Goku Rush, hein, parce qu'on n'a pas de stack, donc c'est dur. Mais là, avec le Goku qui apporte énormément de dégâts, ça permet d'aller plus vite, d'économiser des items, et donc bah, de passer quoi. Bon, tu n'esquives pas Migaté. N'est-ce pas? Tu n'esquives pas. On est d'accord. Tu n'esquives pas. Donc on finit à 4 millions 3, 2 doublons. Donc c'est très très bien pour un leader catégorie. Bah, encore une fois, il y a des leaders qui peuvent faire plus ou moins pareil avec des attaques supplémentaires, etc. Mais bon, le combo avec l'active skill, c'est vraiment totalement fumé. Sachant que l'active skill, on peut le proc très rapidement en SBR notamment, parce qu'il n'y a pas de condition de tour. Donc ça peut vite te permettre de clean un gros personnage, voire plus, parce que vu que tu buffes les alliés, enfin, ta rotation elle fait tellement de dégâts que... C'est ça qui va être très fort en SBR, c'est l'active skill aussi. En fait, finalement, ce Goku, enfin vraiment, hein, son gros atout, c'est l'active skill, hein, c'est con, mais... L'ultime plus le boost de dégâts qui marche comme pour un abeille, c'est vraiment fumé quoi. Mais bon. En tout cas, moi j'aime beaucoup son gameplay. Hein. J'aurais vraiment aimé le dropper ce Goku. Enfin, voilà, parce que c'est bien les cartes qui font tout, qui sont très fortes défensivement. Mais c'est aussi bien quand on a une carte très forte offensivement, mais qui n'est pas très forte défensivement pour pas qu'il y ait tout en fait. Franchement, voilà, il y a quand même quelque chose de particulier. Et vraiment le gros point fort de l'active skill, hein, qui souvent l'active skill c'est... Enfin, ça peut être fort, voire très fort, mais c'est un bonus, des fois, tu le fais, voilà, puis genre les SSJ4, ok, c'est bien, c'est fort sur le tour, mais c'est pas non plus over-cheat, enfin, ça fait pas tant que ça la différence, là, tu vois, l'active skill fait vraiment la différence, c'est vraiment, voilà. Et surtout, cette construction de carte correspond tout à fait à la transfo, moi, je trouve que c'est vraiment bien fichu, donc, top, vraiment très très top, ce Goku.